Il revient à ma mémoire des souvenirs familiers. Je revois ma blouse noire lorsque j'étais écolier. Sur le chemin de l'école, je chantais à pleine voix des romances sans paroles, vieilles chansons d'autrefois. À douce France, cher pays de mon enfance, bercé de tendre insouciance, je t'ai gardé dans mon cœur. Mon village, aux clochers, aux maisons sages, où les enfants de mon âge ont partagé mon bonheur. Oui, je t'aime et je te donne ce poème. Bonjour, c'est Cyril de Lille. Charles traînait chanter sa douce France. Mais où en est notre joli pays aujourd'hui? La paix fait place à l'effervescence. On conteste, on s'offusque, on revendique, on pleure sa peine et on crie sa souffrance. Le gouvernement nous dit bien, attention, ce n'est pas bien, vous êtes fous. Vous ne savez pas pourquoi vous êtes en colère, il y a une révolte au fond de vous. Mais calmez-vous. Gilets jaunes, écolos et végans, France insoumise, nationalistes, manifs pour tous, professeurs et parents, aux urgences, à Air France, dans la police, on en a marre, on veut du changement. La colère gronde jusqu'à rendre violent. La France n'est plus celle de Charles Trenet en 2019, car la finance est venue la diriger. Elle vend des armes, cette finance. Elle obéit au lobby. Par elle, la publicité nous envahit, partout, dans la rue, sur Internet, à la télévision, à la radio, quoi que vous fassiez. Tout est devenu marché, tout est devenu financier. Liberté, égalité, fraternité est devenu un slogan d'apparence. Dans un pays où l'homme est remplacé par la machine, les financiers qui nous gouvernent et nous méprisent, pas d'illusion, nous ont voués à l'argent roi, sacrifiant les agriculteurs et notre droit au bonheur. Irrespect de la nature, des animaux et des bois, haine du corps humain, de ses limites et des lois qui le régissent. Plus de sport, plus de travail. Choisis donc ton enfant, tu peux l'avoir artificiellement. Choisis ta vie, l'âge auquel tu auras un enfant, l'âge auquel tu arrêteras de travailler. Et puis les vieux, hein? On les met de côté, on n'a plus à s'en occuper. Voilà. Autant les entasser dans des maisons entre eux et ils ne nous embêteront plus. Mais ça ne fonctionne plus. Mesdames, messieurs, nos dirigeants, la France n'est pas à la finance. Elle n'est pas fille de la franc-maçonnerie. Son cœur catholique est vivant et votre chute va la guérir.